les pogroms. Et puis ils sont arrivés ici. Et là, paf. La guerre. Ouais. Et puis, ils sont partis en Israël. Et là, oh là là. Ah, à l'époque, c'était dur. Ils ont perdu le peu qu'ils avaient. Hein, Minette ? Ouais. C'était dur, vous savez. Alors ils sont revenus ici. Et là, bah, regardez. Ils ont pu fonder ce magasin. Quel bijou, hein. C'est ici qu'ils ont déposé leur valise. Et depuis, tout roule. Ça roule tellement qu'un jour, une voiture est rentrée, paf, et elle est foncée dans le magasin. Elle s'est retrouvée là-bas, en plein milieu des sacs, des valises. Vous vous rendez compte? Il a fallu appeler la remorqueuse et tout le bazar. Ah ouais, ah, ça fait des souvenirs. Ah Fabien, tu étais là, toi, ce jour-là? Non, tu n'étais pas là. Mais c'est John, John t'a raconté ça. Oui, John, c'est le patron actuel. Bon, ils l'ont appelé John à cause de Johnny Hallyday. Comme ma gueule. Qu'est-ce que ma gueule. Je m'emballe. Enfin, ça fait des souvenirs, hein, tout ça. John, lui, son moment préféré de l'année, c'est quand les enfants viennent acheter leur cartable. Ouais. Moi, je viens acheter mon caddie. C'est un peu là-bas. Et vraiment, il est super. Hein. Et pas cher, je recommande. Niveau qualité.